Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je partage message. Alors, message de la personne de votre cœur. Alors, la personne de votre cœur, ça peut être dans votre sentimental, ça peut être une personne qui vous est proche, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en communication ou pas, ça peut être une grand-tante à l'étranger, ça peut être quelqu'un qui vous est cher, ça peut être dans votre sentimental, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être une petite fille, ça peut être... voilà. Ensuite, ça peut être aussi une personne donc, qui est sur Terre ou alors dans les cieux. Une personne qui vous est chère, voilà. Ça peut être un message donc d'un homme, d'une femme. Alors après, ça peut être dans votre sentimental aussi. Ça peut être aussi juste amical. Voilà. Donc je vais partager avec ce magnifique oracle. Et on va aller voir avec celui-ci. Allez, c'est parti. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence, participation sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, 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 merci. Et on y va, c'est parti. Alors. Alors, bon, je les mets ici, mais de toute façon, voilà. Alors, ici, alors, tu es mon soleil. Je traverse actuellement des. Je rencontre beaucoup de. J'ai beaucoup de responsabilités, j'ai la tête très très pleine. Dans toutes ces responsabilités, toutes ces responsabilités m'épuisent. J'ai beaucoup de responsabilités actuellement dans ma vie qui m'épuisent. Je suis très fatiguée. Le plus, c'est par la tête. Je suis très fatiguée au niveau de ma tête. Je rencontre des hauts et des bas. Et dans ce haut et dans ces bas, dans ces montagnes que je peux rencontrer, je rencontre donc dans mes responsabilités beaucoup de montagnes. Et tu es mon soleil. Tu es mon soleil dans toutes ces montagnes, dans toutes ces responsabilités, dans tout ce poids. J'ai un énorme poids dans la tête. Le poids des responsabilités m'épuise la tête. M'épuise la tête et m'épuise moi, totalement moi. Je suis totalement épuisée, mais tu m'apportes de la chaleur, tu m'apportes de la lumière, tu m'apportes dans tous ces hauts, dans tous ces bas, dans toutes ces montagnes, tu m'apportes de la douceur sur tout ce que actuellement je peux vivre dans ma vie. Toutes mes responsabilités, je suis remplie de peur. Toutes les responsabilités que j'ai actuellement dans ma vie, me font peur. Me font peur. Comme si je n'allais pas réussir. Je fais des prières le soir. Je fais des prières le soir. Des demandes, des souhaits, je fais des prières. Les prières m'aident, me soulagent dans le poids de mes responsabilités, dans le poids de tout ce que je traverse actuellement, dans ma tête, pour ma fatigue aussi. Je prie. Je vais renforcer mes prières, mes demandes, mes souhaits dans toute la peur que je peux rencontrer actuellement. Et dans toutes ces peurs, c'est haut, c'est bas, c'est montagne. Plus c'est bas que c'est haut, tu es toujours ma lumière, ma douceur, ma chaleur. Tu me réchauffes. Quand je pense à toi, tu me réchauffes. Je fais des prières aussi, aussi pour toi. Je prie aussi pour toi.
J'aimerais. J'aimerais avoir un empire avec toi. Un empire avec toi. Construire un empire avec toi. Mon empire avec toi. Notre empire qui nous ressemble. Tu ne me vois pas. Actuellement, tu ne me vois pas. Je t'observe comme un petit fantôme. Comme un petit fantôme, je t'observe. Je me bloque. Quand j'ai peur, je me bloque, je t'observe. Par toutes les responsabilités que j'ai, je me bloque, je t'observe, je prie. Je prie. Je fais des demandes, des souhaits, des prières. De t'observer, ça m'adoucit, ça m'apporte de la chaleur, ça m'apporte. Dans ses... Plus c'est bas que c'est haut, tu... ça m'apporte de la chaleur, ça m'apporte. De la douceur, ça m'apporte de jolies choses dans tout ce que je peux traverser actuellement. Qui m'apporte beaucoup de peur. Mais dans toutes ces peurs, je fais le petit fantôme et je t'observe. Et ça m'aide aussi à sortir de mes peurs. De me plonger le soir aussi dans les prières, souhaits, demandes, ça m'aide à sortir de certaines peurs. J'aimerais construire un royaume avec toi. Tu es mon diamant. Tu es mon diamant. Je veux construire mon royaume avec toi. Je bloque, je verrouille mon petit cœur. Mais je fais le fantôme, je suis au loin de toi, je suis comme un fantôme. Tu ne me vois pas, peut-être que tu me ressens, mais peut-être que tu ne me vois pas. Je bloque mon petit cœur, je ferme mon petit cœur. De fermer mon petit cœur, ça me fait peur. Ça me fait peur de pas ouvrir, m'ouvrir ton cœur, mon cœur. Ouvrir mon cœur à toi, ça me fait peur. Ça me fait peur de ne pas ouvrir mon cœur, de ne pas t'ouvrir mes émotions, mes sentiments, de ne pas m'ouvrir à toi. Ça me fait peur. Je veux... construire mon royaume avec toi. Tu es mon diamant. Je prie parce que je rencontre actuellement des hauts, des bas, plus de bas que de hauts. Et je prie pour récupérer un équilibre dans ma vie, dans tous mes domaines de vie. Je prie aussi pour construire mon royaume avec toi. Tu m'es très précieux, précieuse. Tu es mon petit cœur, je me verrouille, tu es mon petit cœur, mais le petit fantôme que je suis, j'ai peur d'ouvrir mon cœur. Alors je reste à distance, je fais le petit fantôme. C'est plutôt, c'est pas là, c'est pas, je n'ai pas peur de de te dire toutes mes émotions, tous mes sentiments qui sont réellement là pour toi. Ce qui m'emprisonne, ce sont mes responsabilités. Mais les prières, les demandes, les souhaits vont m'apporter, me réapporter un équilibre. Je prie pour tout cela. Pour que ça me réapporte un équilibre sur ma situation. Pour pouvoir construire mon royaume avec toi.
te demander en fiançailles, en mariage. J'ai un coup de foudre pour toi. J'ai un coup de foudre qui me... Même au loin, j'ai un coup de foudre. Même au loin. Même en étant ce petit fantôme, j'ai un coup de foudre. J'ai beaucoup de responsabilités, mais toutes ces responsabilités prennent trop de place dans ma tête. Et rien ne m'empêchera, ni même toutes ces responsabilités, tout ce que je peux traverser actuellement, ne peuvent empêcher en fait ce coup de foudre de m'ouvrir à toi aussi, de m'ouvrir à toi. Actuellement, nous avons pas construit ni notre royaume, ni notre engagement, ni notre famille. Et c'est tout ce que je veux. Construire une petite tribu, ma petite tribu avec toi. Mon royaume, tout mon royaume, à tes côtés. Notre royaume qui nous ressemble. Notre royaume à nous et rien qu'à nous. Ce sera du sûr, du solide, de la sécurité. Ce sera dur, ce sera solide, ce sera notre royaume à nous sera brillant, notre petite tribu sera brillante. Ce sera stable, solide, avec de la fermeté aussi, de la fermeté, parcimonie. Ce coup de foudre que j'ai pour toi m'apporte tellement de douceur, de la fraîcheur, de l'envie, beaucoup d'envie. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui pour ce message. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo, j'adore vous lire. À vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire, c'est gratuit. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt, très belle journée à vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt, très belle journée!